Bonjour, cette vidéo vous parle de réglage de puissance de façon un petit peu plus détaillée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous réglez une puissance à un endroit, donc par exemple là je suis chez moi, si je mets 10 ampères en puissance maxi, l'ordinateur va automatiquement enregistrer que sur le lieu où je me trouve, je charge seulement à 10 ampères. Ailleurs, la limite sera définie à une autre valeur. Si vous disposez d'une borne, cette limite peut monter au-dessus, c'est-à-dire qu'une borne à 7 kV, 7 kV ampères, correspond à 32 ampères de charge. Et donc là, votre limite maxi ne sera pas à 16, mais à 32. Voilà. Et là, c'est là où vous pouvez régler un peu la puissance récupérée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en recharge à 32 ampères, vous récupérez environ 50 km par heure, 40 à 50 km. À 16 ampères, vous récupérez deux fois moins, donc 20-25 km. Et ensuite, à 10 ampères, vous êtes plutôt proche des 10 km par heure. Voilà. Donc, c'est un peu ce qu'il faut noter sur le réglage de puissance. Je rappelle, si vous doutez de votre installation, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes en déplacement dans un endroit où vous ne connaissez pas l'installation, baissez au maximum. Donc la législation française dit que une installation aux normes peut encaisser 8 ampères en continu sur une prise normale. Mettez cette limite à 8 ampères, vous éviterez un incendie de type électrique. Voilà.